toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de non-assistance à France en danger. C'est le thème de mon article, d'ailleurs, que j'ai publié le samedi 4 mai dernier. Et j'avais cité en disant « La vérité, c'est que le fameux bien vivre ensemble s'est transformé depuis longtemps en ne plus vivre du tout. » On assiste en effet dans une France meurtrie à des actes barbares qui sont devenus presque une habitude, des actes qui sont répétés tous les jours, un peu partout, ici et là. Alors je ne vous parle pas de racisme, parce que vous savez très bien qu'on s'est fait avoir depuis tant d'années avec cette histoire de racisme, qu'aujourd'hui il est clair que la France est un pays en danger et un pays gravement atteint par l'islamisme. Alors, il faut rappeler quand même ce que disait par exemple Proudhon, qui était le grand théoricien de la gauche française dans les années 1840. Il disait « Le juif est l'ennemi du genre humain, il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer par le fer, par le feu ou par l'expulsion. Il faut que le juif disparaisse. » Il écrivait ça dans ses carnets. Le 26 décembre 1847. Je rappelle quand même que Proudhon était donc élu de la nation, un peu comme aujourd'hui on a chez LFI, à l'écologie, au Parti communiste, des gens élus de la nation qui, ouvertement, sont racistes, parce que c'est ça qui est grave. Et en face, on a un gouvernement où rien n'est fait pour contrarier ces gens-là, et à minima, il faudrait au moins les destituer de leur poste qu'ils occupent dans la nation. Parce que trouvez-vous normal qu'un type ou une femme soit élu député ou maire ou ce que vous voulez et puisse professer ouvertement sa haine raciste? Parce que c'est de cela dont il s'agit. On est dans un monde aujourd'hui où on est dans le déni. Je prends un autre exemple. On a vu qu'à Matisse, un jeune Français qui s'est fait assassiner de façon barbare, comme d'habitude, et je lis après une déclaration surnaturelle de Mme Roselyne Bachelot, « Les enfants sont violents, on l'a vu tout au long de notre histoire. Dans la guerre des boutons, il y a de la violence pure. » Voilà ce qu'elle a déclaré. Bon, on sait que c'est pas normal, je veux dire, je sais pas, je comprends pas très bien où cela va nous mener, à part au pire, parce qu'on y est. Alors je sais que Macron, il a bénéficié de la période du Covid pour avoir un sursaut personnel dans sa politique, et qu'il a quand même mis la France sous été noir, que l'économie s'est écroulée, mais le vrai problème numéro un aujourd'hui, c'est la violence. La violence contre les Français, on peut même dire contre les Blancs, ça serait plus simple. Et cette violence qui est légitimée, parce qu'elle est légitimée, il faut voir ce qui se passe. Quand on voit ce qui se passe à Sciences Po, là, on dit que ce n'est pas possible. On passe vraiment en plus pour des pignoufs. Et donc, toute cette insécurité permanente, entretenue et voulue, c'est la marque de l'islam en marche. C'est la marque de cet islam qui veut conquérir la France comme elle l'a fait au Liban. On y est là, ça y est, on est en plein dedans. Alors on peut se voiler la face, c'est le cas de le dire. On peut faire comme si de rien n'était. On peut minimiser comme font les journalistes. Mais la réalité, elle est bien là. C'est une véritable guerre qui nous est menée. Alors quand on me parle de guerre civile, excusez-moi, ce n'est pas une guerre civile, c'est vraiment une guerre religieuse. Parce que l'islam, elle veut nous imposer la charia, elle veut nous imposer tous ces dogmes rétrogrades, et c'est des choses qui vont arriver vite, parce que, vous savez, les choses arrivent vite. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand elles sont là, c'est trop tard. Et là, on est dans un monde où l'Occident a renié toutes ses valeurs, l'Occident a arrêté d'être l'Occident, et n'est plus capable, face au wokisme notamment, qui est quoi? Le wokisme c'est quoi? C'est le progressisme aussi, c'est politique, c'est marxiste, c'est toujours la même idéologie qui se développe. Le marxisme donc, l'idéologie, le wokisme et tout ce que vous voulez, on ne les a pas combattus quand il fallait et comme il fallait. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, dans un pays comme la France, il faut le dire, on est en période probatoire avant la fin, parce que je ne vois pas pourquoi et avec qui. Hein. Ce n'est pas en prononçant des discours où on propose de mettre le couvre-feu pour les enfants dans les villes qu'on va sauver un pays. Il faut arrêter de déconner, là, parce que, excusez-moi, ce n'est pas ça la solution. Hein, la solution, c'est de rétablir nos valeurs. Voilà, c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Et on rétablit nos valeurs, on rétablit nos frontières, on rétablit la France, et puis basta. Et s'il faut prendre des lois qui ne plaisent pas, et tout, et si certaines associations qui vivent grassement payées par les contribuables, il ne faut pas l'oublier, parce que quand c'est l'État qui paye, ce n'est pas l'État qui paye, c'est nous qui payons. Hein, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc tous ces gens-là, eh ben, s'il faut... suspendre, on est bien capable de suspendre des gens qui sont pour la France. Regardez ce qui se passe partout. Toutes les associations qui défendent la France sont suspendues par Darmanin. Par contre, j'ai jamais vu Darmanin suspendre quoi que ce soit de l'autre côté. Donc, vous voyez bien qu'on peut le faire, hein, sans passer même par les juges. Hein, ils en ont rien à foutre là. Je vous le dis comme je le pense. Si on ne fait pas quelque chose rapidement, eh ben, il faudra être capable de se tirer de ce pays. Il y a de plus en plus d'agressions faites par des jeunes, très jeunes. Il y a de plus en plus de racisme anti-blanc, anti-juif, anti-France, anti ce que vous voulez, mais toujours dans le même rayon. Vous avez des acteurs là qui gagnent des millions, qui se permettent de venir nous donner des leçons de morale, alors que le mec, par exemple, il vit aux États-Unis et que c'était le grand copain d'un prédateur sexuel très connu, puisqu'il a été arrêté, le prédateur en question. On a tout ça, il faut arrêter, il faut arrêter. Hein. Déjà, on commence par plus aller voir tous ces gens-là, on paye plus une thune pour leurs films, leur musique, leurs livres et tout ce que vous voulez, et ils iront chanter et jouer ailleurs. Hein. Et c'est, il faut commencer par les bases. Et si on ne commence pas par les bases, on ne commencera jamais. Bon, j'arrête là, à bientôt. Et puis je vous dis, on est mal, on est très mal. Plus que ça encore, parce que ça passe vite le temps, et on n'est pas prêt de s'en sortir sans remettre les bases.